les chauffants de bourrager. C'est étrange comment le temps se dilue au fil des jours de confinement. Au début, il y a la claque sourde qui m'abat, me sidère, m'empêche de faire quoi que ce soit. Puis la rage, la colère et l'envie de tout casser. Puis l'opportunité de se saisir de ce temps hors temps pour prendre soin de moi, de ma famille, des miens, de mon tout jeune bébé. Je fais la cuisine, je m'offre des séances de yoga nidra pour faciliter mon sommeil. Je peins avec Henri, mon compagnon, sur la terrasse. J'y inclus à chaque proposition de soins mon bébé. Je danse avec lui sur le parking de notre résidence. Je me surprends même à vouloir créer des séries de vidéos danse, sorte de capsules de danse quotidienne avec bébé, pour prolonger ma performance inédite Baby, Beloved Baby, quand j'étais enceinte, en plein festival que nous avions créé avec Henri, l'édition du FIAP 19 en novembre dernier. J'ouvre la fenêtre de l'une de nos chambres et j'y laisse entrer les rayons de soleil qui caressent mes joues, ma peau, du dessus de mon visage. Je pratique quotidiennement le Body Mind Centering. J'y inclus toute la famille. Mes cellules s'expandent chaque jour que le Covid-19 se répand sur le territoire martinique et touche un peu plus chaque jour des personnes ici qui deviennent des patients, des malades, des hospitalisés du CHU La Ménard pour une durée plus ou moins déterminée, indéterminée. Tout ceci est très violent, surtout si je pense au monde d'après Covid-19. Alors, je me pose la question, est-ce que je vais contribuer à la construction de ce d'un nouveau monde, de cette ou d'une nouvelle humanité en marche? Moi, chorégraphe, danseuse, performeuse, bruja, chercheuse, praticienne somatique. Ou bien va-t-on tous, toutes être absorbés dans un monde invivable, en autosurveillance permanente, en restriction des corps, en violence climatique, capitalistique, de plus en plus forte, qui monte, qui gronde, qui s'accroche. Alors je regarde mon fils, Keo, 4 mois, aujourd'hui, et je l'écoute. Je l'écoute téter, je l'écoute respirer, je respire avec lui. Je pleure, je ris, je suis bouleversée de l'intérieur, je me sens changée. Je regarde par la baie vitrée, nous habitons dans les hauteurs du bourg des Trois-Îlets, au sud de l'île, et je respire encore. Parfois j'ai une sensation d'étouffement, comme un cri qui ne veut pas sortir. Il y a urgence. Puis je fouille partout où je peux, je lis, je dévore des vidéos, des articles de presse, des pensées philosophiques, des réflexions théoriques, éco, féministes, queer, afro, futuristes. Je relis, je revisionne encore, juste pour vérifier s'il n'y a pas quelque chose qui m'aurait échappé. Au cas où je n'aurais pas tout saisi, tout englobé. Et je digère lentement l'information, je processe, et je ne suis pas seule à processer. D'autres femmes artistes aussi, qui processent, des danseuses, des curatrices, des plasticiennes, des performeuses, comme moi qui processe aussi, et on échange. On échange ensemble. On échange avec nos bébés. Nous nous soutenons, nous partageons du sensible, nous nous lions, nous nous donnons des rendez-vous hebdomadaires, nous nous offrons du temps, des rituels de guérison, de protection, des recettes de cuisine, des textes théoriques intimes, des séances Feldenkrais, des séances Body Mind, des séances Pilates, des séances yoga. Pour rendre cette capsule d'espace-temps plus vivable, plus acceptable, même si au fond, c'est inacceptable.
yeah, 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 yeah.